matin. Salut, bon matin. Salut, bon matin. Salut, bon matin. On commence dans une minute, les copains. Là, c'est pas besoin, j'ai une autre galerie, non? Comment allez-vous ce matin? Bien! Bien? En forme? Ouais. Oui! Vous avez des beaux yeux? Pétillants ce matin, c'est bien! Donc hier, vous vous souvenez, on a eu une discussion sur les différences à la fin de la journée. Vous rappelez de ça? Ouais. OK. On sait ce que c'est la discrimination, hein? C'est le fait de ne pas être respecté. Est-ce que vous avez envie qu'on fasse une expérience sur la discrimination? Oui! Oui? Vous êtes prêts? Oui! OK. Alors, ce matin, on va faire quelque chose en lien avec ça. OK? Je vais séparer la classe en deux ce matin. On va diviser notre groupe en deux groupes. Il va y avoir un groupe de petits et un groupe de grands. Et là, j'ai fait une recherche et là, je me suis aperçue que la ligne entre les grands et les petits, c'était 1,34 m. Ce que j'ai lu aussi, qui m'a étonnée, mais je l'ai lu, c'était vraiment dans des livres scientifiques. Il y a des recherches qui disent que les petits sont supérieurs. Qu'est-ce que ça veut dire supérieur? Ça veut dire que les petits sont plus intelligents. Les petits sont plus créatifs. Les petits sont plus rapides. Les petits sont aussi plus sages. Non. Font des travaux plus propres. Alors, c'est ce qu'on dit. Donc, mes élèves qui sont supérieurs mesurent 1,34 m et moins. Ils font partie du groupe des petits. Là, je regarde, Rémi ne m'écoute pas. La preuve. Il est comme ça, il joue, il regarde partout. La preuve, je pense. Viens donc, Rémi, on va vérifier. Moi, je pense que c'est un grand. Moi aussi. Je vais vérifier ça, là. Mais, ah, voilà. Donc, c'est ce que je pensais. Rémi, tu vas porter ton dossard aujourd'hui. Tu le mets par-dessus ton chandail. Tu peux aller t'asseoir. Vous venez d'assister aux premières minutes d'une expérience hors du commun. À Saint-Valérien de Milton, près de Saint-Hyacinthe, une enseignante de troisième année a décidé de donner à ses élèves une leçon de discrimination. Déjà, la veille, Annie Leblanc préparait le terrain. À la télévision, dernièrement, il y a eu un gros, gros, gros débat. Ça commençait une émission de télévision un dimanche soir. Okay? Ça s'appelle « Tout le monde en parle ». Et il y a un monsieur qui est allé à cette émission-là. C'est un psychiatre. Okay? Puis lui disait que les gens qui avaient la couleur de la peau qui était noire, il disait qu'ils étaient moins intelligents. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Sabrina? Bien, c'est pas vrai. Autant noir que blanc peut être intelligent. Toi, tu penses que la couleur a pas de... ça fait pas de différence, c'est ça? Ça fait pas de différence. C'est un des meilleurs groupes de ma carrière. Les enfants sont charmants. Beaucoup d'enfants qui veulent travailler, qui veulent apprendre, qui sont intéressés, qui sont curieux. Ma mère, elle a une belle sœur qui est ma belle tante. C'est une noire, là. Elle est vraiment intelligente. C'est une noire, en plus. Ils savent quoi me répondre, mais à l'intérieur d'eux, ils sont là quand même, les préjugés. Probablement que c'est inculqué par la télévision, ce qu'ils entendent, ce qu'ils lisent. Ben moi, c'est à la télé que les noirs sont pauvres. Ils sont hyper pauvres, pauvres, pauvres. J'ai entendu dire que les Noirs, ils étaient... ils volaient des choses. Les Noirs, ils avaient plus tendance à voler des choses. Ils avaient plus tendance à être plus méchants, avec une eau plus brusque. En quoi la question bien spécifique des préjugés raciaux vous intéresse? Parce qu'ici, dans le fond, c'est un milieu assez homogène. Très homogène, même. Très homogène. Mais je pense que la plupart des enfants vont un jour sortir de Saint-Valérien, peut-être travailler, peut-être juste rencontrer des gens. Puis je pense que ça peut les aider aussi, dans ce sens-là, à être plus ouverts aux autres, à être plus tolérants. Maman,
Former de futurs citoyens, c'est un début d'Annie Leblanc. Son autre objectif est plus urgent, sortir la discrimination, quelle qu'elle soit, de sa propre classe. Parfois, c'est des raisons physiques. Ça peut être la pauvreté, ça peut être, mettons, un enfant qui est efféminé. Mais c'est rare qu'il n'y ait pas un enfant dans un groupe qui est pris comme bouc émissaire. On a beau essayer de faire des choses, mais juste le fait d'en parler, les préjugés, ils restent là. Malgré toutes les interventions qui ont été faites en maternelle, en première, en deuxième, en troisième, moi, je le sais, j'investis, je fais des choses, des activités à partir de livres, à partir des événements concret, puis ça rentre, puis whoop, on a l'impression que ça ressort de l'autre côté. Annie Leblanc a donc décidé de prendre les grands moyens. Ce que je vais faire, c'est vraiment faire vivre la différence, la discrimination, à partir de deux groupes. Je vais séparer mon groupe en deux, les petits et les grands. Et je vais traiter les deux groupes d'une façon différente. L'expérience inusitée qu'elle s'apprête à réaliser s'appuie sur des bases scientifiques solides. Depuis plus de 50 ans, des chercheurs étudient la psychologie des groupes entre eux. Un des pionniers de ce champ de recherche, le professeur Henri Tajvel, est un survivant des camps nazis qui a voulu comprendre d'où viennent les préjugés et la discrimination. Dans les années 60, en Grande-Bretagne, il a réalisé ses premières expériences de séparation de groupe. Richard Bourris est un ancien étudiant d'Henri Tajvel. Il est maintenant professeur à l'UQAM. Alors, Henri Tajvel, dans ses études-là originales, a réussi à démontrer que la catégorisation « eux-nous », tout simplement, et aussi l'identification à son propre groupe est suffisante pour créer un effet de discrimination en faveur de notre propre groupe et contre l'autre groupe. Comment a-t-on prouvé que l'être humain discriminait naturellement? Tout simplement en séparant un groupe donné en deux, selon des critères souvent absurdes. Automatiquement et à tout coup, les membres des deux groupes se mettent à favoriser leur propre groupe au détriment de l'autre. Qu'est-ce que ça dit sur la nature humaine? Bien, il y a des gens qui disent que c'est depuis les primates qu'on a ce comportement-là, qui est un peu un comportement de tribu ou de clan, tout simplement parce que, dans la nuit des temps, les humains avaient à se défendre entre eux. Henri Tajvel was surprised by his own discovery. Les travaux d'Henri Tajvel ont inspiré toute une génération de chercheurs en psychologie sociale et même des enseignants du primaire. L'exercice de cette institutrice américaine est à l'origine d'un mémorable documentaire. En 1970, Jane Elliott a constaté que ses jeunes élèves développaient des préjugés raciaux. Ils vivaient pourtant en Iowa, dans un milieu très rural et très blanc. Pour leur faire vivre le racisme de l'intérieur, elle a frappé un grand coup. Are the better people in this room? Oh, yes, they are. En favorisant systématiquement un des deux groupes, Jane Elliott a instauré un climat de ségrégation instantané. Everyone ready? Everyone but Laurie. Ready, Laurie? She's a brown-eyed. L'exercice n'a duré que deux jours, mais il a révélé des aspects troublants de la nature humaine. Were two of you boys fighting? Russell called me names and I hit him. Hit him in the gut. What did he call you? Brown eyes. 14 ans plus tard, des interviews réalisées avec les mêmes enfants, devenus jeunes adultes, ont révélé qu'ils avaient été profondément influencés par cette expérience. Et le documentaire a été projeté à des générations d'élèves et d'étudiants partout dans le monde. Tout cela se faisait dans... Lorsqu'Annie Leblanc a vu le documentaire, elle a décidé d'aller de l'avant avec sa propre expérience, avec l'accord de tous les parents, de la commission scolaire et de la directrice de l'école, Diane Racine. Elle se servira de la taille des enfants pour les séparer. C'est un caractère qui est intouchable. Les enfants n'ont pas de pouvoir sur ça. C'est arbitraire comme caractère.
Donc, ça se rapproche beaucoup de... Tu sais, quand on parle de discrimination, la couleur de la peau, on peut pas changer ça. Et qu'est-ce que vous pensez que l'expérience pourrait faire? Quand ils vont l'avoir senti, quand ils vont l'avoir vécu, j'ai l'impression que ça va être plus facile après, que ça reste dans leurs valeurs, que ça reste dans leur façon de penser. Les élèves qui sont parmi les grands doivent porter le dossard. Toute la journée? Toute la journée. Oui. Vous allez le porter toute la journée. Dans la classe, à la récréation, par-dessus vos manteaux et... ce midi à la cafétéria. Oh là! Alors, je vois mes grands qui sont très indisciplinés, qui font du bruit. Alors, ça ne me surprend pas. C'est un fait. Ils sont plus dérangeants aussi, les grands. D'accord? Alors, ce qu'il va y avoir de particulier aujourd'hui, comme mes petits sont supérieurs, mes petits vont avoir des privilèges particuliers. Donc, je vais vous montrer tout ce qu'ils vont avoir le droit de faire aujourd'hui. Au départ, ils étaient très contents. On a vu beaucoup de gestes, des sourires. Je voyais les yeux pétillants, des « Ouais! » Des gestes comme ça, ça a été très rapide. Tout de suite, en les annonçant, les privilèges, il y en a qui étaient très heureux puis ils voulaient pas passer à côté, je pense. 5 minutes avant la récréation, les petits vont pouvoir quitter, aller se préparer et être prêts à sortir avant tout le monde. Aussi, pour le lunch, ce midi, les petits vont pouvoir quitter 5 minutes plus tôt. En plus, ce matin, seulement les petits vont pouvoir utiliser les tapis et aller glisser sur la butte. Oui, David? Bien, pour le truc, c'est un petit peu faux parce qu'il y a des petits qui sont pas quand même créatifs, là. Ils sont pas vraiment créatifs, là, qui sont pas très, très vite. Dans les petits. On fait plat parce que si c'est petit, parce que ça veut pas dire que vu qu'on est grand, on n'est pas intelligent. C'est écrit, c'est prouvé. Moi, j'ai pris ce qui était écrit dans les livres. C'est des recherches scientifiques qui me l'ont prouvé. Donc, on s'en tient à ça. Déjà, en début de journée, l'atmosphère était changée. Contrairement à ce que je pensais, moi, je pensais que ça allait être très long avant d'établir ça, puis de. Tu sais, qu'ils se sentent pas bien, puis. Ça a été très, très rapide. Les deux pour qu'on puisse commencer notre leçon. Est-ce que des fois, les petits, là, dans la journée, est-ce qu'ils peuvent aller se mettre à côté d'un ami, mais pas un grand, un petit? Il y a un temps, par exemple, où toi, tu vas pouvoir choisir, vu que tu es un petit, tu pourras aller choisir ton ami, ton compagnon de travail. Un petit, évidemment. Ouais, pas un grand. Ben non, j'espère. Il va te buter le travail. Ben voilà. Dernier commentaire. C'est-tu normal que je me sente rejetée des autres? C'est possible, mais tu es une grande. Donc, c'est bien possible que ça arrive. OK. Alors, on va commencer. On va faire du français. On va commencer la grammaire. Alors, verbe à l'imparfait. Avec « je ». Qu'est-ce que c'est ma finale avec « je », Benjamin? « I, yes ». ».« I, yes ». Très bien. Bravo. Un petit, évidemment. Tu nous fais la discrimination. Oui, c'est vrai. Mais sur des faits. Sur des faits. Je me base sur ce que j'ai lu et on agit comme ça aujourd'hui. Oui. Oui, mais c'est parce que moi, tu trouves que j'habite sur des corps. Oui, oh ben ça veut dire que t'es bien chanceuse d'être une petite. Tu devrais te considérer chanceuse parce que tu fais partie du groupe de ceux qui sont les meilleurs. Tes amis. Voilà. Alors, ça va être en chasse aux fautes. Donc, c'est volontairement, je vais faire des fautes, vous allez devoir les trouver. Ah, Annie? OK. Alors, je vais envoyer un ami. Je vais envoyer, tiens, Michaël. Tu vas aller vous faire la première phrase. On met ça elle. Au pluriel. Ça paraît que c'est un grand. Ça paraît que c'est un grand? Pourquoi tu dis que ça paraît que c'est un grand? Parce que son écriture.
son écriture, c'est moins propre, c'est ça? C'est ça, les petits, ça, t'avais dit que c'était plus propre. C'était plus propre. Vrai. OK. T'as bien raison. Je suis d'accord avec toi, Michael est un grand, ça paraît. Est-ce que c'est tout? Non. C'est quoi la prochaine étape? Tu peux demander l'aide d'un ami si t'as besoin, ça se peut. Il y a certains élèves que... qui étaient beaucoup moins performants. Donc, je pense à Michael, entre autres, là, la première idée qui me vient. Michael, c'est un enfant qui performe, qui est capable. Juste par leur, les épaules, la façon de se tenir, les yeux, la tristesse, là, c'est vraiment là que ça a été le plus visible. C'est dur, hein, la journée? Tu sais que ça va être difficile, votre journée. Si je raconte Zion, puis j'ai dit qu'elle n'est pas fine avec nous, là, elle va peut-être avoir un mauvais quart d'heure et tout. Ouais, c'est ça. C'est Zion, là, c'est ça, là. Elle va aller dire à Zion, Zion. C'est notre directrice. C'est Zion qui décide. Le quoi? La rébellion est restée toute petite. Ça s'est pas rendu jusqu'à la direction. J'aurais aimé ça qu'il y aille. Qui prouvent puis qui avancent, qui continuent leur démarche, mais c'est pas arrivé. Tu veux pas avoir tes privilèges, toi? C'est parce que quoi? Parce que tes amis sont dans les petits? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui fait que t'as le goût d'être dans l'autre groupe? Mais c'est pas que j'en ai pas besoin de ces privilèges-là. T'en as pas besoin de ces privilèges-là. Tu sens que t'as pas besoin de ça. T'es correct comme ça. T'es correct comme ça. T'as pas besoin de ça. Qu'est-ce que ça te fait quand t'entends ça? Habituellement, quand les enfants prennent le rang, c'est une ligne. Ils arrivent, le premier arrivé, le premier se place, et ainsi de suite. Et là, aujourd'hui, j'ai rien mentionné, j'ai ne mentionné aucune consigne par rapport à ça. Quand je suis allée me placer en avant, il y a eu deux groupes qui se sont installés. Les petits d'un côté, les grands de l'autre côté. Sans que j'aie besoin de le mentionner, ils ont senti déjà qu'il fallait qu'ils soient séparés. Pierre-Luc, c'est un enfant qui a été victime de discrimination. C'est un enfant qui se sent agressé facilement. Alors, des fois, il peut faire une colère terrible pour un événement qui est très, très mineur. Alors qu'aujourd'hui, je l'ai vraiment poussé à bout avec tous ces commentaires-là. Mais j'avais l'impression qu'il le vivait bien. J'ai l'impression qu'il sentait que le poids n'était pas juste sur ses épaules, que c'était partagé avec les autres élèves de la classe. Alors, je vais envoyer un ou une petite au tableau. Laurence! Là, là, c'est sûr qu'elle veut l'avoir. Alors, Laurence, tu dois avoir une craie. J'ai eu celle-là pour. Ah oui. Je suis crampée barrette, je tombe en bas de ma chaise. 2 plus 3, ça donne 5. Très bien. Donc, Laurence, c'est une petite, hein? Très bien réussi son problème de mathématiques. Elle a très bien retenu. Une bonne mémoire. Mais, petit, avant de quitter pour le dîner, rappel de la consigne, vous avez le droit, les petits, d'inviter un ami, mais un ami ne peut pas s'inviter à votre table s'il est grand. OK, alors vous rangez vos livres. On va commencer l'après-midi.
Jimmy. C'est quoi exactement le but de faire ça? Vous n'aimez pas votre journée? Non! Ah, OK. Allez, petits, est-ce que vous aimez votre journée? Oui! Non. Les grands, est-ce que vous aimez votre journée? Non! Non! Oui. Mais un jour, non. Si je grandis, c'est peut-être pas dire que je ne veux pas être intelligente. Toi, tu penses que tu vas grandir à un moment donné, puis... Ça ne fera rien aussi. On reste comme nous un jour. Alors, pendant la période qui s'en vient, je vais vous donner du travail. Alors, les petits vont pouvoir faire des cartes de Saint-Valentin. Les grands, vous, votre priorité, c'est du travail personnel. Bon, OK, Alison, là, je vais attendre qu'on regarde. Il y a Michael, là, qui n'est pas en statut chapeau pointu. Parce que c'est un grand. C'est parce que c'est un grand. Merci, tu m'enlèves les mots de la bouche. Je m'imaginais que ce que j'allais dire, ça allait avoir un impact, mais je ne pensais pas avoir le soutien des enfants. Parce qu'au début de la journée, c'était vous qui leur disiez ça, mais à un moment donné... Ah, oh, c'est un grand! Ça venait tout seul. Oui, ça venait tout seul, puis moi, j'étais étonnée de ça. Ce matin, il y a eu plein d'exemples... C'est comme la nature humaine, tu dis, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Comment ça que... Ils sont pas plus vifs que ça, tu sais. J'aurais aimé ça, dans le fond, qu'ils arrêtent tout à un moment donné, puis ils disent, Annie, t'es une maudite folle! C'est pas arrivé! Alors, pour terminer la journée, les petits... Vous êtes maintenant en congé. Vous avez fini votre journée. Vous partez, vous allez rejoindre Diane en bas. Vous avez une activité spéciale qui vous attend. Donc, tous les petits, vous quittez. Les grands, vous restez ici avec moi. Je vais attendre que tous les petits soient partis, puis après ça, on va prendre un temps. OK. Alors, je vais vous demander d'approcher. Venez vous asseoir. Venez vous asseoir par terre. Ce matin, quand vous avez commencé la journée, je vous ai demandé, est-ce que vous voulez vivre une expérience sur la discrimination? Vous m'avez dit oui, 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 oui. Alors aujourd'hui, vous avez vécu une expérience, OK? Je le sais toute la journée. J'ai fait exprès, OK? Pas parce que je vous aime pas. C'est pour que vous appreniez quelque chose, OK? Ce que je suis, là, ça va revenir, OK? On va avoir du fun ensemble encore. C'était pour la journée, OK? Je sais que ça a été difficile. Je vois Alexandra qui a les yeux pleins d'eau. Vous avez vu, hein, que moi aussi? Pensez-vous que ça a été facile? Pas facile, hein, non plus? Est-ce que c'est vrai qu'on n'est pas intelligent, qu'on est grand? Qu'est-ce que t'en penses, Alexandre? Non. Est-ce que tu penses que tout ce que j'ai dit aujourd'hui, là, il y avait une raison pour laquelle je l'ai dit? Tu sais, quand je te disais, mettons, oh, lui, il est dans la lune, lui. Penses-tu? Non, ça c'est pas. Est-ce que c'était dû à ta grandeur? Est-ce que t'étais moins bonne aujourd'hui, Alexandra? Moi, oui. Toi, tu penses que t'étais... Pourquoi tu penses que t'étais moins bonne aujourd'hui? Parce que tu nous as découragés. Pour que ce soit juste, demain, ça va être votre tour d'avoir les privilèges. Ouais. Okay? Donc, demain matin, change la vapeur de côté. C'est vous qui avez les privilèges et eux qui... Est-ce que ça te fait du bien? Oui. Mais oui. Vous pouvez enlever votre dossard si ça vous fait du bien. On les dépose. Merci. Merci. OK, vous pouvez vous manger. Vengez-vous. C'est important pour vous de renverser les rôles? Oui. Oui, c'est très important que ce soit équitable, justement, l'aspect de justice, là. Puis, pour qui, dans le sentiment aussi, c'est pas la même chose de vivre la discrimination et d'en donner. Ça veut dire que ceux qui sont victimes de discrimination vivent qu'est-ce qu'on a. Genre Pierre-Luc. Pierre-Luc, Alexandra pense que c'est ce que tu vis, toi. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, à cause que, tu sais, ils me traitent de gros, ça. C'est comme de la discrimination, puis je trouve ça fatigant, là. Est-ce que tu penses que maintenant, après avoir vécu ça, penses-tu que les amis de la classe vont être capables encore de dire des choses comme ça? Non, pas tous les amis de la classe vont être sensibles. C'est comme si t'es en
apprendre, ça, c'est... L'expérience, c'est apprendre à être comme dans ma peau, là. Je le faisais beaucoup pour lui. Pour lui, mais pour tous les enfants aussi qui sont victimes. Mais cette année, c'est lui, c'est cet enfant-là qui est victime de discrimination pour un caractère sur lequel il n'y a pas de pouvoir. Ce qui est très, très, très important, c'est que là, les amis dans l'autobus, ils s'attendent de vous voir comme vous étiez tantôt. Donc, il ne faut pas qu'ils le devinent d'avance. Hein? Vous, vous avez appris durement. Il ne faut pas qu'ils sachent tout de suite. Ils vont l'apprendre demain. On s'attend à quoi pour demain? Qu'ils vont faire moins de la discrimination vis-à-vis des autres, dire moins de bêtises, des commentaires négatifs. J'espère qu'il y en aura moins. Pourquoi ce serait comme ça? Parce qu'ils vont avoir compris. Ils vont l'avoir vécu? Oui, ils vont l'avoir vécu, ils vont l'avoir intériorisé. C'est une question. Qui sont les meilleurs? Nous! C'est vous? Tout le monde! Non, qui sont les plus intelligents? Tout le monde! Les caméramans! Salut, bon matin. Trois cents fois, ben oui, trois cents fois. C'est le temps des fêtes? Oui. Alexandra, j'aimerais que tu mettes ton dossard, s'il te plaît. Comment allez-vous ce matin? Vous allez bien, oui? Est-ce que vous avez eu une bonne soirée? Non. Il y a le patron de la commission scolaire qui a téléphoné chez moi hier soir pour me dire qu'il était vraiment, mais vraiment pas content de ce qui s'était passé hier. Il était absolument en désaccord avec tout ce que j'avais dit. Alors moi, mon patron, c'est un homme, puis c'est un homme qui est très grand, OK? Alors il a été insulté beaucoup, beaucoup, beaucoup que je parle des grands de cette façon-là. Alors, il m'a fait sentir que moi, j'étais une petite et il m'a nommé plein d'arguments pour dire que, dans le fond, c'était pas les petits qui étaient supérieurs, mais bien les grands. Qui tu penses, Annie, qui dirige le pays? Les grands. Il m'a nommé plein de premiers ministres. Notre nouveau premier ministre du Canada, M. Harper, un grand. Pas un petit, un grand. Il m'a parlé des Olympiques. Là, Annie dit, qui tu penses aux Olympiques qu'on envoie? Est-ce que c'est des petits? Non! Ben, qui on envoie, vous pensez? Des grands! Donc, ce matin, on n'a pas le choix. Plus, Annie. Alors, on sait que ce sont les grands qui sont supérieurs. Ça veut dire on échange? Donc, Pierre-Luc, je pense que tu as compris. Tu vas donner ton dossard à un petit. On va commencer notre journée parce qu'on a quand même une journée de classe. On a des choses à apprendre beaucoup aujourd'hui. Vers 9h, on va essayer de prendre une petite pause pour mes grands. Parce que vos muscles d'athlète vont avoir besoin de bouger. C'est très bien. Est-ce que vous avez remarqué que Sarah n'a pas eu besoin d'aide pour se rappeler des étapes? Parfait. Alors, Benjamin, tu vas être le suivant, tiens. Cool. T'es un petit, fait que tu vas avoir besoin d'aide? Ouais. Tu t'arrêtes pas à ton écriture, toi? On y va. Un petit, un petit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait l'aider? Pierre-Luc? Ça commence par I. Et c'est au pluriel. Ah, et c'est au pluriel. Donc, Pierre-Luc, merci, tu l'as aidé à trouver son pronom. Pierre-Luc, c'est un quoi? Un grand. Ouh! Merci, Benjamin. N'a pas eu de facile, mais on y est arrivé. Oui? C'est sûr que tu as un petit. Ah, ça
Ok, ça va. Cette manière. Donc, c'est fait en 5 minutes, tandis que toi, tu l'as fait en 10. L'inversion des rôles, là, ça s'est installé assez rapidement, contrairement à ce que je pensais. Je pensais qu'il allait avoir encore beaucoup plus d'élèves qui allaient se rebeller, qui allaient essayer de défendre l'égalité et tout ça. Puis ça n'a pas eu lieu tellement ce matin. Ils ont décidé d'embarquer dans le jeu puis de le faire. Je sais, mais qu'est-ce que vous voulez prouver? Vous voulez prouver que c'était encore les tout-petits les plus intelligents? Puis avec qu'est-ce qu'on vient de voir... OK, alors ce que je vais faire, je vais juste vous sortir le... Oui, mais toi, tes affaires, c'est le jeu. Ah, vas-y, on ne va pas, hein? Vas-y, avec un dessert, puis les grands, vous vous levez debout, on va se détendre un petit peu, les petits vont rester assis. Tu veux que j'arrête de dire les grands parce que ça te fâche? Pas tout le temps. Pas tout le temps. Tu trouves que je le dis tout le temps? Non, mais tu dis souvent. Tu trouves que c'est trop souvent à ton goût. Alors, j'entends ce que tu me dis. Oui. Tu as besoin d'une feuille. Tu dis au ballon avec moi? Avec ça. Au ballon? Restez assis. Par où? Là, tu m'as pas vu jouer avec moi. Ça marche la correction dans... Pour tout le monde, vous devez dessiner votre personne avec ce que vous sentez aujourd'hui. Comment vous vous sentez? Je ne veux plus rien voir sur les pupitres. Quand c'est fait, vous venez vous asseoir en avant ici avec moi, par terre. Amis, on est petits, mais on est débrouillards des fois. Ah! Comment vous avez vécu votre journée? Là, aujourd'hui, tu ne nous as pas encouragés. On aurait peut-être été capable de faire le concours des maths plus vite. Puis, mais parce que tu as encouragé les autres, ils l'ont fait plus vite. Hier, je vous avais encouragé, puis aujourd'hui, je vous ai pas encouragé. Mais moi, je dis que c'est la confiance en soi. Est-ce que tu penses que tu es différent d'hier, toi, aujourd'hui, Benjamin? Toi, tu es différent d'hier? Qu'est-ce qui a changé? C'est quoi la différence entre aujourd'hui et hier? Bien, hier, je me faisais pas écœurer, puis aujourd'hui, oui. Et tout à l'heure, je me rappelle que par ailleurs, Jimmy a dit que j'étais petit, fait que je suis maladroite. OK, ça t'a fait de la peine, hein? Je vois juste le fait de le dire, là. Je sens que t'es encore triste avec ça. OK. Hier, j'avais l'impression, à la fin de la journée, que le message avait passé et que c'était clair pour les enfants. À la fin d'aujourd'hui, de la journée d'aujourd'hui, là, c'était... J'avais pas l'impression que c'était clair. Il y avait beaucoup d'agressivité encore, beaucoup de dénonciations entre les enfants. C'était pas... En fait, ils n'ont pas dit ce que je voulais entendre. Parce que avec tout ce qu'ils ont vécu, avec tout ce qu'ils ont subi et tout ça, ça n'a pas donné le résultat que je pensais. Est-ce qu'on recommence demain matin? Oui! Bon, demain matin, ça pourrait être les blonds. Est-ce que ça vous tente? Non! OK, non, ça sera pas les blancs. Quel a été le pire moment de l'expérience? À la fin, quand les enfants ont voulu faire vengeance, qui me disaient « Oh oui, demain, c'est toi, Annie! » Là, ça a été un moment de découragement, de dire « Oh non, ils ont rien compris! » Tout l'exercice portait là-dessus, d'arrêter de faire de la discrimination. Puis là, ils revenaient avec ça encore, le désir de le faire. D'instinct. C'est l'instinct qui est revenu. Ça a été difficile à accepter. Est-ce que vous pensez que c'est important que tout le monde, toute la gang, tout,
autres. Qu'on fasse la paix. Oui! Toute la gang. Oui! Puis qu'on revienne comme avant. Oui! Un parti. Oui! Popcorn. Oui! Ah oui, t'es ici, là! Trois semaines plus tard, nous sommes retournés dans la classe d'Annie Leblanc. Le lendemain, il était plus calme, plus serein par rapport à ça. Puis je pense qu'il avait eu le temps de laisser tomber la poussière un peu, puis d'avoir remis les choses en place. Il était sécurisé, il sentait que j'étais redevenue la vraie Annie. Puis là, il y a eu beaucoup plus de commentaires intéressants là, qui allaient dans l'esprit de l'expérience. Pourquoi on se ferait différencier? À quoi ça sert de différencier les autres si on sait qu'ils ont tous quelque chose de bon? Nous, on a des défauts, puis aussi on a des défauts. Mais on a des bonnes qualités, puis aussi. Donc, à quoi ça sert? Quel a été le pire moment pour toi? Quand j'étais au tableau. Est-ce que tu étais aussi bon que d'habitude? J'étais plus pourri qu'avant. Pourquoi tu penses? J'étais moins concentrée. Parce que je savais que tout le monde allait rire de moi. Je pense que c'était contre nature ce que j'ai fait. C'est, ça n'a pas de bon sens. C'était absolument l'inverse de ce que je fais habituellement avec les enfants. Puis ça a été très bouleversant de voir les enfants comme ça puis de ne pas pouvoir agir autrement. Tu sais, pour que l'expérience fonctionne, il fallait que j'agisse comme ça. On remarquait que l'expérience a semblé très difficile pour plusieurs de tes amis. Mais toi, ça semblait pas t'atteindre de la même façon. Pourquoi? Bien, parce que ça faisait 2 ans que j'avais Annie. Puis Annie, d'habitude, n'était pas comme ça. Puis elle nous a demandé avant si on voulait faire une expérience. Alors? Puis là, l'expérience, ça m'a donné une idée que c'était pour apprendre c'était quoi la discrimination. Avant, on écœurait les personnes, mais on a arrêté depuis qu'on a vécu l'expérience. Ah bon? Qu'est-ce que vous avez arrêté de faire? Bien, de discriminer les personnes qui n'étaient pas comme nous toutes. OK. Comme qui, par exemple? Comme Pierre-Luc. Puisque Pierre-Luc, lui, est gros. Mais avant, tout le monde le discriminait. Mais maintenant, quand il y a quelqu'un qui le discrimine, ben on est avec lui, là. On dit de pas faire ça, puis tout, là. Quel message tu voudrais que les gens retiennent de tout ça? Que la discrimination, ça sert à rien. Ça sert seulement à faire pleurer les gens et à les rendre en colère. J'ai vécu ça, alors c'est pas une blague. Ça fait vraiment mal? Dans le cœur. Qu'est-ce que tu aimes en toi maintenant? Que je me fâche moins souvent et que je suis plus gentille. Quand Pierre-Luc arrive le matin, maintenant, il arrive, il semble plus serein. Il y a vraiment eu, à ce niveau-là, un gros, gros changement. C'est certain que Pierre-Luc, il a un caractère qui est particulier et il y a des choses encore à travailler. Mais on a enlevé une partie importante qui nous permet maintenant de travailler ça avec lui. C'est pas une expérience qu'on fait de n'importe quelle façon. Je le ferai pas dans n'importe quel contexte. Je le ferai pas non plus dans un but éloigné. Je suis contente. Les enfants ont associé beaucoup plus à leur vécu par rapport à la discrimination qui se faisait dans ma classe que par rapport peut-être aux Noirs ou. Ça vaut la peine d'être vécu quand on a un problème à régler. Voilà. C'est ça. Sinon, c'est trop. C'est trop difficile pour l'impact que ça peut avoir tout de suite là. Au quotidien pour les enfants. Mes amis, des fois, il y avait des privilèges que j'avais pas parce que je me faisais discriminer des fois. Toi, t'as été victime de discrimination? Mm-hmm. Pourquoi? Parce qu'ils me traitaient de grosse et gars l'année passée. Et est-ce qu'ils le font encore? Non. Et depuis quand ils ne le font plus? Depuis l'expérience. Je savais pas ça.
Est-ce que tu as appris quelque chose, toi, Sarah, dans cette expérience-là? J'ai appris que maintenant, je ne vais pas laisser passer la discrimination. Quand je vais en avoir, je vais lui dire de l'arrêter. Qu'est-ce que tu penses que tu vas vraiment retenir de tout ça, jusque même quand tu vas être un adulte? Bien, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je vais retenir, mais c'est que j'ai senti qu'est-ce que quand je disais des mots comme il était gros, décontaminé et tout. Mais là, j'ai ressenti que c'est quoi quand on se fait dire ça. Puis là, ça va me dire qu'il faut que j'arrête, là. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont rester. Est-ce que ça veut dire que tous les jours, ça va bien aller? Je suis pas sûre. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura plus de situation où il va être discriminé? Ça non plus, je suis pas certaine. Mais je sais maintenant que quand je dis le mot « discrimination » ou quand je fais référence à l'expérience, je sens que les enfants sont touchés par ça. Et je vois juste dans leur visage, dans leurs yeux, qu'il y a une différence. Vous allez vous en souvenir longtemps? Oui! Jusqu'à la fin de la vie! Jusqu'à la fin de la vie! Jusqu'à la fin de ta vie, toi! Il y a une sauce.